Komura Burundi. Isamunani zuruzuye neza muri RPA ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu ncamake y'amakuru aza mu guca mu kiganiro muri Burundi cyo kuri wa kabiri gitugutu 2019 incamake mugira mushikirizwe na Joines Gakiza fashijwe mu hinga bw'ivyuma na Fabrice Ndimurukundo hamwe na Emile Nibasumba duhere mu gisata cy'umutekano ikiziga cy'umuntu catowe muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri wa gatatu ababanyi w'umuhisi bamenyesha ko yarasanzwe ari mu barongoye ishirahamwe ry'abakoka ku miduga yunguruza abantu mu makuru y'impunzi naho imyiteguro ni yose yo gutahukana abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva kuri wa kabiri abari ku ntonde za mbere z'abazotahukanwa begeranirizwa mu ikambi ya Nduta n'utwabo twose barindiriye gutahukanwa ejo aho bukera ku ntonde zimanitswe hariko abarenga igihumbi kuri zo ntonde rero z'abazotahukanwa hare abatigeze biyandikisha bisanze ko uyu munsi bariko bara turatura bahigwa n'igipolisi ngo basange abandi aho bayegeranirijwe abo barundi basaba babishoboye kubafasha ntibatahukanwe ku nguvu bapfume bimurigwa mu kindi gihugu cyo kwemera kubaha indaro leta y'u Burundi iremera ko amasezerano bapfunditse na Tanzania ariyo atanguye gushigwa mu ngiro hase yo yamenyesheje ko itari muri ico gikorwa kubera ifasha gutahukana ababyisabiye mu gisata cy'ubutunzi naho kubera uruhigi rw'abakora akazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro bamwe muri mubari batunzwe n'uwo mwuga mu gisagara cha Bujumbura barahevye abandi bagakora binyegeje batinya ko bufatwa n'igipolisi amazu bavunjirizamwo amwamwe yarugaye abadandaza amafaranga y'agaciro bashika 20 baramaze gufatwa n'amafaranga yabo yose aratwagwa bahogwa ko badandaza ayo mafaranga ku giciro kiri hejuru y'icashinzwe gwe na banki nkuru y'igihugu ahaniho ino ncamake tuyisozereye duhanisango igihe cy'isaha 11 mu kiganiro kiramvuye Bon après-midi et bienvenue dans le flash d'information du magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 octobre 2019 qui vous est présenté par Nadège Irakodze en page sécurité. Un cadavre a été retrouvé en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura le matin de ce mercredi. Les voisins de la victime indiquent qu'il était un des responsables de l'association des rabatteurs en mairie de Bujumbura. Les préparatifs pour le rapatriement forcé des Burundais battent le plein dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Depuis ce mardi, les réfugiés qui sont sur les premières listes de rapatriement sont rassemblés au camp d'Onduta avec tous leurs biens en attente d'être rapatriés demain. Plus de 1000 réfugiés sont sur les listes. Et sur ces listes déjà affichées de ceux qui seront rapatriés figurent des réfugiés qui ne sont jamais fait inscrire. La police tanzanienne est actuellement à leur recherche pour les conduire dans les hangars d'attente. Ces Burundais demandent l'intervention de tout organe habilité qui ne soit pas rapatrié par force et soit délocalisé si la Tanzanie ne veut plus les héberger. Le gouvernement burundais confirme le début de la mise en exécution de l'accord de rapatriement des réfugiés signé avec le gouvernement tanzanien. De son côté, le HCR a répondu être au courant de cet accord entre les deux pays et a souligné ne pas y participer. Et enfin, en page économie, suite à la chasse aux cambistes faite ces derniers jours, certains changeurs de devises dans la mairie de Bujumbura ont abandonné le métier et d'autres continuent à travailler, mais en cachette, par peur d'être arrêtés et emprisonnés. Des bureaux de change ont fermé carrément. Une vingtaine de changeurs de devises sont actuellement sous les verrous et tout leur argent confisqué. Ils sont accusés de changer au tarif supérieur à celui de la banque. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci pour votre attention. Le magazine complet est fixé à 17h45. Au revoir.